Cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa al-aqibatu lil-muttaqeen, wa la'udwana illa ala al-zalimeen, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. هذا أخذنا في درسنا الأخير c'est que nous répète qui résume le dernier dars في العقيدة تفضل نعم أن القرآن كلام الله ثم الحروف مكتوبة والأصوات مسموعة عين كلام الله لا حكاية ولا عبارة وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحروف والصوت على كل حال هذا القرآن سمن كلام الله عز وجل قال رحمه الله وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر Aujourd'hui, on commence ensemble بإذن الله عز وجل ce nouveau chapitre في الإيمان بالقدر وهنا ذكر الإجماع وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر والنبي صلى الله عليه وسلم إلى citer les six piliers de la foi, arkan al-iman, wa min hadhihi al-arkan al-iman bi al-qadr. Qala khayrihi wa sharrihi, hulwihi wa murrihi, qalilihi wa kathirihi. Qala khayrihi wa sharrihi, fa on croit au qadr, ay an Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit. عز وجل وعلم كذلك كل شيء avant d'avoir créé la créature et هذا كما قال الإمام عبد الغني رحمه الله s'englobe الخير والشر أي les bonnes choses et les mauvaises choses tout cela c'est بقدر الله عز وجل تستفيد من هذا أنه il n'y a rien qui sort de هذا القدر tout c'est بقدر الله سبحانه وتعالى قال حلوه ومره وهذا سعوسم سلا من معنى كخيره وشره أي les bonnes et les mauvaises choses قال قليله وكثيره أي les choses qui sont pas nombreuses et les choses nombreuses بقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته وهذا c'est très très important لأن بعض المنحرفين se sont égarés في هذا الباب فما من شيء في هذا الكون C'est بإرادة الله عز وجل. Allah سبحانه وتعالى, tout ce qui se passe, c'est par sa volonté. الخير والشر. وإلا, le fait de prétendre que certaines choses, c'est pas بإرادة الله سبحانه وتعالى, c'est très très grave. لماذا؟ لأن ça voudrait dire que certaines choses, elles se passent في ملك الله سبحانه وتعالى, alors qu'il ne le veut pas. Et là, chacun a هذا, c'est du نقص. والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النقص ونحن نؤمن أن كل شيء بإرادة الله tout ce que tu vois de bon ou de mauvais الله سبحانه وتعالى il a voulu وسيأتي معنا إن شاء الله dans d'autres دروس وكون détaillera un peu plus بإذن الله أن الإرادة على قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية وهذا on verra plus tard قال ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. Et ça c'est une explication de sa phrase précédente. أي هذا الخير أو هذا الشر c'est بمشيئة الله. فالإرادة الكونية c'est المشيئة et l'autre إرادة c'est الإرادة الشرعية. على كل حال الخير والشر فسي بمشيئة الله سبحانه وتعالى. Et quand il dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu certaines choses mauvaises. Ils ont expliqué, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Tout ce qu'il a voulu subhanahu wa ta'ala, même si pour nous c'est du char, en apparence c'est du char, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Et tout ce qu'il a décrété, c'est pour une sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. قال خلق من شاء للسعادة
واستعمله بها فضلا وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا. أي الله سبحانه وتعالى إلى كخي certaines créatures pour السعادة أي المؤمنون. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, leur a facilité al-a'mal al-tayyiba, et les œuvres pieuses, et Allah subhanahu wa ta'ala les récompensera bil-jannah. Et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala il a créé certaines créatures, les shaqa, et feront des mauvaises œuvres, et rentreront fin nar, iyadan billah, tout ça, bi'adlillahi azza wa jalla. Ça nous montre, anna hada al-qadr, il est fondé sur la justice, sur l'adl. وبعض الظالمين qui n'ont pas compris هذا الباب, ils ont du mal à comprendre هذا الشيء. Allah subhanahu wa ta'ala s'il a décrété que فلان من الناس rentrera en enfer, فسي بعدله وبعلمه. Et s'il a décrété أن فلان من الناس rentrera au paradis, فسي برحمته عز وجل. قال فهو سر استأثر به عز وجل. تستفيد من هذا أن ce chapitre القدر que l'imam Abd al-Ghani al-Maqdisi rahimahullah il a résumé, simplifié هنا, c'est min sirrillahi azza wa jal. Sir est traduit par secret. هذا الباب c'est min ilm al-ghayb. Et anta, en tant que mu'min, tu dois avoir un comportement. لماذا لأن هذا القدر, en tant qu'être humain, en tant que mu'min, tu ne pourras pas le comprendre entièrement, tout cerner, tout comprendre. فلهذا هذا الباب si tu veux réussir أخي الكريم فالاستسلام والإنقياد. Soumets-toi, fais des œuvres, fais des efforts, demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, et inshallah ta'ala tu seras à la khair. أما بعض الناس هذا الباب ils ont multiplié les questions والإشكالات و الانتقادات, mais pourquoi, mais comment, mais إلى آخره, حتى انحرفوا. Certaines choses, tu ne pourras pas comprendre. Les mains, on est des créatures, on est des êtres humains, on a des faiblesses. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé les ibad, il t'a informé que tout est écrit et il t'a laissé le choix. Les mains, Allah azza wa jalla, il est juste. Fais des œuvres, fais du khayr. Place tes efforts dans l'ilm et dans l'amal et tout ce que tu feras, c'est bi qadrillah. Azza wa jalla. قال فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه. Ça, ça nous montre qu'on ne peut pas tout comprendre في هذا الباب. صحيح, si tu te poses trop de questions في هذا الباب, et tu viens à réfléchir, et tu viens à comparer avec les choses que tu connais, certaines choses, tu n'arriveras pas à comprendre. Probablement, certaines choses, pour toi, en apparence, ça sera contradictoire. ثم الإنسان perd son temps, والشيطان عدو الله. Il égare beaucoup de personnes من هذا الباب, باب القدر. حتى البعض ils ont délaissé l'amal, ils ont pensé que c'était la solution, vu que Allah il a tout écrit, tout est destiné, pourquoi œuvrer. وبعض الناس عيادا بالله ils ont délaissé l'amal. وسيأتي معنا des preuves et des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se comporter, comment avancer. قال رحمه الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Et تأمل ce verset. العلماء الأئمة ils citent souvent ce verset في باب القدر. لا يسأل عما يفعل أي الله سبحانه وتعالى. On n'a pas posé des questions à Allah عز وجل. لماذا لأن هذا القدر, هذا الباب, comme on va détailler قليلا, أنه il est fondé sur 4 مراتب, sur 4 degrés, et parmi ces مراتب la première, le premier degré de القدر c'est العلم. Et Allah il sait tout. Il sait tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui se passera plus tard. Il sait tout. Enfin, celui qui multiplie les questions via hadha al-bab, wal ishkalat, et les contradictions, et les comparaisons, et pourquoi, et comment, fa'iyadan billah ka'annahu il n'est pas d'accord. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال لا يسأل عما يفعل. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui l'interroge sur ce qu'il fait. Allah, il fait ce qu'il veut. Ça nous montre, هذا الباب, أن المسلم, il doit se soumettre. يستسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال, وهم يسألون. C'est nous qui serons interrogés يوم القيامة. Tu ne seras jamais interrogé sur des questions sur le qadar. Il a abadan, tu seras interrogé sur ta soumission et ta croyance au qadar.
Amma des choses que tu n'as pas comprises, tu ne seras jamais interrogé sur had. Amma tu seras interrogé, akhil kalim, sur tes œuvres. Est-ce que tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala seul? Est-ce que tu as fait as-salat? Est-ce que tu as fait siyam ila akhir? On doit se concentrer sur had. Lakin shaytan, il essaye et il égare بعض الناس من هذا الباب. Ils se posent trop de questions et ils ne sont jamais d'accord. Et ils délaissent le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il les a créés. Tu seras interrogé sur quoi? Ça commencera dans la tombe. Tu dois faire des efforts pour pouvoir répondre à ces questions. Tu seras interrogé sur as-salat. Tu seras interrogé sur ton comportement, tu seras interrogé sur beaucoup de choses. Faliman va perdre son temps dans un domaine où on n'a que très peu d'ilm. Hada al-bab al-azim, bab al-qadr. On sait qu'Allah il a tout écrit, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de l'adorer. Il n'y a aucune contradiction, fil haqiqa. Ind al-mu'min, al-salih, al-taqi, qui s'écarte des choubahs et qui s'écarte de ahl al-batil. Les an al-ba'd ils ont compris, ou ils ont cru que le fait que tout soit décrété, le destin, al-qadr, et al-amr. Al-amr, c'est les ordres. كذلك النهي, les interdits. Ils ont pensé que c'était contradictoire. لماذا? لأنهم, ils n'ont pas écouté مثل هذه النصائح. Ils ne les ont pas mis en application. لو الإنسان يستسلم, il se soumet. Et il adore Allah subhanahu wa ta'ala بقدر ما يستطيع. Et كذلك يحسن الظن بالله. لأن celui qui connaît les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, فلا شك أنه il aura هذا الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va t'ordonner de l'adorer et en même temps il va pas te donner le choix? C'est de l'injustice, عياذا بالله. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim, c'est le karim. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va t'imposer une chose au-dessus de tes capacités? أبدا. لهذا الإنسان يؤمن بهذا القدر كم العلماء إلهم إكسبليكي avec les quatre مراتب qu'on va citer الآن إن شاء الله يستريح كذلك يريح غيره. C'est pas من الحكمة pour celui qui étudie بهذا الباب de poser trop de questions. Là, il y en a certaines questions tu n'auras pas de réponse. Certaines questions elles vont te rajouter أخي الكريم que des doutes في هذا الباب. قال رحمه الله قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Et ça c'est le comportement qu'on doit avoir. تعلمون أن بعض الناس ils appellent souvent bon comportement إلى آخره avec le bachar et ils ont un très très mauvais comportement مع الله سبحانه وتعالى. مثل الكفار ومن تأثر بهم أنهم يطعنون في الله في هذا الباب باب القدر. Ils ont un très très mauvais comportement. Ils posent des questions et ils ne sont jamais d'accord. Et soi-disant, ils citent des contradictions. Ils n'ont pas appliqué ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala la yus'al. Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne l'interroge sur ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Fa'alu lima yurid. Mais c'est nous qui devons nous corriger. C'est nous qui devons nous soumettre. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé qu'il a tout décrété, que tout est écrit, qu'il sait tout, azza wa jal, et كذلك, il nous a informé qu'on doit l'adorer, qu'on doit s'écarter de telle chose, on doit se soumettre en tant qu'être humain. لكن البعض, ils ont un très très mauvais comportement. فلا يؤمنون بالقدر ولا يستسلمون. Ils ne se soumettent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك, ils ont beaucoup de choubah في باب القدر ويطعنون في الله سبحانه. فالحذر, on fait attention من هذا المسلك. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. Il a cité, rahimahullah, des versets pour appuyer le mu'taqad qu'il a cité juste avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé certaines créatures pour un nar. قال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. Et هؤلاء qui rentreront في النار ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية من الجن والإنس. أي c'est djinn. Et كذلك هؤلاء الناس, ces êtres humains qui rentreront في النار, c'est بعد لله سبحانه وتعالى. Allah سبحانه وتعالى il leur a donné le choix. Allah سبحانه وتعالى il les a créés, il les a guidés, il leur a montré le haqq, il a envoyé des messagers, il a révélé des livres. Et l'insan il pouvait في الدنيا مثلا نحن ولا الحمد لله, on a le choix, on peut faire salat, on peut apprendre l'ilm, on peut adorer Allah عز وجل. L'insan il choisit.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هؤلاء ils ont choisi الشر, ils ont choisi l'égarement. فالله سبحانه وتعالى il les a récompensés par ce qu'ils voulaient. أي النار عيدا بالله. وقال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. C'est le même istidlal que le verset précédent. وقال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. Ce verset, c'est le dalil sur ce qu'il a cité précédemment. Anna, le bien, le mal, les grandes choses, les petites choses, les choses que tu sais, les choses que tu ignores, akhil karim, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé biqadr. Inna kull shay'in khalaqnahu biqadr. Il n'y a rien qui sort bin hadha al-qadr. Limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le malik, c'est l'alim. Azza wa jal, il sait tout, il a tout créé, il a tout voulu. Subhanahu wa ta'ala, imma irada kawniya, imma irada shara'iyya. Et كذلك il a tout créé subhana. C'est pour ça que les ulama ils citent هنا أن القدر, le destin. Et pour bien comprendre ce chapitre, tu dois comprendre ces quatre degrés que les ulama ils citent. Et le qadr s'est fondé sur quatre choses, le destin. أولا الإيمان بعلم الله عز وجل. أي أن الله سبحانه وتعالى il sait tout. Enfin, celui qui a هذا l'iman, en Allah subhanahu wa ta'ala, il a sifat al-ilm, et c'est l'alim. Ta'allamu al-ghibi wa shahada subhanahu, la shakannahu, il va comprendre هذا. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Al-imanu bi'ilmi Allahi azza wa jal. Et min هذا l'iman, c'est qu'on a la croyance أن الله سبحانه وتعالى il sait tout. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer les êtres humains et al-jinn et jami' al-makhlouqat, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait qui c'est qui allait faire des bonnes choses, qui c'est qui allait faire des mauvaises choses, qui c'est qui allait rentrer fil jannah, qui c'est qui allait rentrer fil nar, il a akhri. On doit avoir cette aqida. Tu as un groupe min al-dullal, wa hum al-qadariya, la première génération de Al-Qadariya, qui sont apparus à l'époque de Ba'd al-Sahaba, minhum Abdullah ibn Umar radiyallahu wa anhuma, anhum, ils ont rejeté ce point. Et on l'a cité, la qissa kathiran, et on l'a résumisé, ils ont demandé, ils ont posé la question à Abdullah ibn Umar, fil Irak, en Irak, un qawm qui est sorti, et une secte, iyadam billah, ma'bad al-juhani wa man ma'ah, et ils ont supposé, en Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pas. Il sait pas ce qu'il passe seulement après que cette chose, elle se passe. Iyadam billah. En al-amra unuf. Fallah subhanahu wa ta'ala, pour eux, il sait, et ya'lam, quand la chose, elle se passe. Iyadam billah. Et ça, c'est grave. Ça c'est ilm al-makhlouq. Toi tu sais qu'une chose, elle fait partie du qadar une fois que tu la vois. Une fois que tu fais cette chose, non. Maintenant tu as fait salat al-asr il y a quelques minutes. Enfin, cette salat que tu as fait, c'est min qadarillah subhanahu wa ta'ala. Lakin mata, quand est-ce que tu l'as su ant? Tu l'as su une fois que la salat elle est terminée. Hum yaqulun, iyadan billah fi haqqillah azza wa jal, c'est la même chose. Haoula, c'est des kuffar bil ijma'. كفرهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والعلماء لماذا لأن هذا سنطعن صريح في الله أن الله سبحانه وتعالى السبب l'ignorance c'est très très grave في حق الله عز وجل celui qui croit هذا c'est du kufr. Donc ça c'est la première مرتبة العلم أي أن الله سبحانه وتعالى السبب. La deuxième مرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الإيمان on a la croyance أن الله سبحانه وتعالى il a tout écrit في اللوح المحفوظ depuis le début de la création jusqu'à ما تشاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى il a tout écrit. Tout ce qui se passe l'un et tout ce qui s'est passé avant nous et ce qui se passera après nous c'est écrit في كتاب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في كتاب واضح.
tout ce qui se passe, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a écrit fi kitab. Et on peut citer un dalil pour les deux premiers, pour les deux premières martaba, al-ilm wal kitaba, qawlullah azza wa jal, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yassir. Al-shahid, alam ta'lam anna Allah ya'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui se passe fi as-sama'i wal ard. Thumma qala azza wa jal, inna dhalika fi kitab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit fi kitab. Et fi lawhil mahfoud. Tout est écrit, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. La troisième martaba, al-thalitha, al-iman bi mashi'atillahi ta'ala. Al-shamila li kulli hadith. Al-iman bi mashi'atillahi azza wa jal, al-shamila. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe, il l'a voulu. Min khayr ou min shar, c'est ce qu'on appelle al-mashi'a. Ou, par les ulama, ils l'appellent al-irada al-kawniya. Tout ce qui se passe fi hadha al-kawn, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu. Limadha li hikmatin azima. Et on peut citer un exemple, mathalan. Limadha, par les nas, la yu'minuna billah. Ou yakfuruna billah. C'est du shar, c'est quelque chose de mauvais. Est-ce que ça fait partie du destin? Naam. Limadha, il y en a sept personnes qui ne croient pas, c'est une créature parmi les créatures d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, avant de créer cet être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait qu'il allait faire telle chose, il a affaire. Kadhalik, son kufr, il est écrit, il va faire telle chose. Et tout ça, c'est bimashi'atillah. Allah, il l'a voulu. On peut se poser une question, mais Allah, il a voulu le kufr, il l'a voulu kawnan na'am. Et il y a une hikmah azima. Li'anna, s'il n'y aurait pas de kufr, il n'y aurait pas de tawba min al kufr. S'il n'y aurait pas de kufr, il n'y aurait pas de jihad. S'il n'y aurait pas de kufr, l'enfer, il n'aurait aucune utilité. S'il n'y aurait pas de kufr, il n'y aurait pas beaucoup de sentences. S'il n'y aurait pas de kufr, il n'y aurait pas de hijra. Kam min ibadat azima, elles sont liées avec hadha al-kufr. Aye al-bara'atu min ila akhir. Onzuru toutes ces hikam. Kadhalik, c'est une épreuve pour les croyants. Il n'y aurait pas de kufr, il n'y aurait pas de kufar. Enfin, les croyants, ils n'auraient pas été éprouvés dans beaucoup de domaines. Et on a déjà détaillé ce sujet. Huna, bi'khtisar, tu dois savoir, vous savez, hada antum, anna min al-qadr, min al-iman bil-qadr, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout voulu. Et on répète, man qala, anna mathalan, ce mal, c'est pas par la volonté d'Allah Azza wa Jal, iyadun billah. Donc ça veut dire qu'une chose elle se passe fait hadal kawn et Allah il l'a pas voulu. Et ça c'est très très grave. Ça montre, iyadun billah, la faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe fait hadal kawn, il l'a voulu. Et on répète, imma kawnan, imma shar'an. Quatrième point, ou on cite al-dalil ala hadha, qawlullah Azza wa Jal, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Notre volonté, il y en a l'être humain, kadhalik, on a une volonté, là, notre volonté, elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah il veut, ce que tu veux, ça se passera. Si Allah il ne veut pas, même si toi tu veux une chose, elle ne se passera pas. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Sifatu al-mashi'a wal-irada, elle est thabita lillahi Azza wa Jal. Quatrièmement, et c'est le dernier point, al-iman. بإيجاد الله عز وجل لكل المخلوقات أي أن الله عز وجل سي الخالق tout ce qui se passe في هذا الكون toutes les créatures que tu vois c'est des créatures d'Allah عز وجل les bonnes choses les mauvaises choses c'est Allah سبحانه وتعالى qui a tout créé والدليل على هذا قوله عز وجل الله خالق كل شيء Allah سبحانه وتعالى il a tout créé et on revient à la même chose. Le même ishkel que Bardonnaise se pose, qu'on a cité auparavant dans le Mashi'a, même les mauvaises choses, n'am. L'imana li anna, si on dit que telle mauvaise chose, là, Allah, il crée pas les mauvaises choses, ça veut dire qu'il y a un autre créateur. Ayyadan billah. Et al-Qadariya, ceux qui sont venus après, les premiers qui ont propagé la secte à l'époque de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, un groupe de Qadariya qui est venu après, ils ont accepté l'ilm, ils ont dit, n'am, Allah, il sait tout. Allah il a tout écrit, lakin ils se sont égarés. Ils ont dit amma le mal là, Allah il crée pas le mal.
Qui c'est qui crée le mal? C'est chacun qui fait ses œuvres, c'est lui qui crée ses œuvres. Ça, c'est de l'égarement. Il y en a plusieurs créateurs. On dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Et le fil d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il crée, c'est que du bien. L'imadal, il y en a, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah azza wa jalla. Et ash-shar, le mal, il est dans le makhlouq, dans la créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu. Pourquoi il l'a voulu? Les hikmah. Pourquoi Ba'd an-nas, les uns, ils font du mal? Maintenant, toutes ces guerres, toute cette injustice, est-ce que ça fait partie des créatures d'Allah? Non. Est-ce que Allah il l'a voulu comme taqaddam? Non, il l'a voulu kawnan. Il y a une hikmah azim. Si tu prends l'exemple de la maladie, c'est un mal. Certaines personnes, elles souffrent. Certaines personnes, elles sont à l'hôpital, elles ne peuvent plus sortir. Il a arrêté. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette maladie et ce malade, et c'est Allah qui l'a voulu. Et il y a une hikmah azim. S'il patiente, Allah il lui pardonne. Kadhalik, peut-être qu'il sera en bonne santé, il oublierait son din. Kadhalik, une autre hikmah azim, cette maladie, ça va pousser à faire les causes, se soigner. Et beaucoup de gens, ils travaillent dans ce domaine, dans la médecine, il a akhiré toutes ces hikmahs, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a voulu. Et celui qui patiente et qui se soumet, wa yu'min bil qadar, il sera à la khair, même s'il est malade, même s'il est touché par ce mal. Et kadhalik, hadha al-insan, ce mal, fal haqiqa, c'est une durée limitée, faqat. Pour le mu'min, les anahos, s'il meurt et il rentre fil jannah, fa fil jannah, il n'y a plus de mal. Ala kulli hal, ces quatre points, ils sont très très importants pour comprendre al-qadr. Et on les répète, la première daraja, le premier degré, al-ilm, Allah il sait tout. La deuxième daraja, al-kitaba, Allah il a tout écrit fil lawh al-mahfoud. La troisième daraja, al-mashi'a, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe, il l'a voulu. Wa illa, s'il ne l'aurait pas voulu, ça ne se passerait pas. Et quatrième point, al-khalq, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Azza wa jal. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد البقيع معروف c'est le cimetière في المدينة qui n'est pas loin de la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة المخصرة أي c'est عصا c'est un petit bâton qui est en forme de crochet. فَنَكَّسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ نعم, أي على الأرض. Et هذا, ça arrive souvent, quand tu es assis, et أحيانا, tu prends un bâton et tu creuses la terre. نعم, كثير من الناس يفعلون هذا. Le professeur Salam, il l'a fait. ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدْ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ. Et ça, c'est un autre délire sur le kitab. Et chacun de vous, tous les êtres humains, il a kutiba maq'aduhu min al-jannah wa maq'aduhu min al-nar. Et dans al-lawh al-mahfoud, c'est inscrit, c'est écrit, est-ce que cet être humain, il fera partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer? Hada, c'est écrit. Hada, c'est destiné. Avant que l'insan il soit créé, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait hada et il l'a écrit fil lawh al-mahfoud. فقالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا ils ont posé cette question ça nous montre ان cette question في الحقيقه الانسان la première fois qu'il entend هذه مثل هذه المسائل il va se poser cette question في الحقيقه c'est normal c'est pour ça que l'insan quand il rentre dans le din et il apprend que tout est écrit ça arrive qu'il se pose cette question c'est normal لكن une fois que tu as la réponse Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va leur donner une réponse. Un manhaj à suivre. Une fois que tu as cette réponse, accroche-toi à ton dîner avant. Amma ba'd an-nas, ils commencent par cette question. Thumma, rubama, tu leur cites la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, i'malu. Œuvre. Fais des œuvres. Fais salat, fais le hajj, sors la zakat sur l'argent. Il a akhri un bon comportement, applique le tawhid. I'mal. I'mal. Et Inch'Allah, tu seras à la khayr. Ba'd an-nas, ils se sont arrêtés à la question et ils n'appliquent pas la réponse. Ils se posent cette question, Thumma, si tu lui réponds, fais des œuvres, qu'est-ce qu'il répond? Kadhir min an-nas, qu'est-ce qu'il répond? Mais. Walakin en arabe. Thumma, il cite une autre question. Mais, hatta fil haqiqa, à la fin, la réponse, il ne peut pas l'appliquer. لماذا لأن الشيطان il égare بعض الناس من هذا الباب. Ta'ammal le comportement de Sahaba, radiallahu anhum. Ils ont posé cette question.
comme on a dit, c'est normal. Thumma, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a cité la réponse. Thumma, plus jamais ils ont posé ce genre de questions. Ah, peut-être. Limada, les anahoum, ils étaient convaincus. Limada, les anahoum, ils ont posé cette question sincèrement et ils voulaient une réponse quand ils ont eu la réponse. Mina al-ma'soum, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, ils ont appliqué, alhamdulillah. Alhamdulillah, ils ont atteint les hauts niveaux. Et ils seront dans les hauts niveaux, fil jannah, insha'Allah ta'ala. Et on a un modèle, fi ha'oula, c'est un modèle pour nous. Celui qui se pose cette question, tu as la réponse, fi hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, thumma, fais des efforts dans ton din. Wahdhar min hadha al-bab, wa min kathrat al-as'ila, liana c'est un bab khatir jiddan. Qala i'malu, fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Ce verset que le prophète عليه الصلاة والسلام il a cité, cette réponse qu'il a donnée, inshallah, elle doit suffire à chaque mu'min. فَكُلُّ مُيَسَّرْ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, si il a décrété que Fulan y rentrera fin de nar, c'est que cet homme ou cette femme, elle le mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Et houna, on arrête les questions. Houna, on arrête les questions et on fait des efforts pour faire partie de ceux qui font des efforts pour rentrer fil jannah. Celui qui fait des efforts, Allah, il n'est pas injuste. Abadan. Qala, اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده. Donc on fait des œuvres. Si tu fais des œuvres, tu fais des efforts pour appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'écarter des interdits, فعلم ان c'est un bon signe. C'est un bon signe, alhamdulillah, tout ce que tu fais c'est biqadar et tu as une bonne pensée, husnul dhon, et tu fais des efforts. قال واما من كان من اهل الشقاوة فييسر لعمل اهل الشقاوة يدا بالله. Il a cité le verset عليه الصلاة والسلام. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Tu veux qu'Allah te guide et tu veux faire partie de ceux qui réussiront في الدنيا وفي الآخرة, applique les causes. وتامل ce verset. Allah سبحانه وتعالى il a cité des اعمال. Et il a cité la chose la plus importante, al-mu'taqad, al-ikhlas, al-sidq. Fa amma man a'ta wa attaqa. Ça, c'est des a'mal. Ça, c'est des a'mal. A'ta, tout ce qui est lié au sadaqat et l'akhiri, wa attaqa. Ça, ça englobe jami' ad-din. Et din, c'est fondé sur des paroles, des croyances et des œuvres. Wa saddaqa bil husna. C'est ça l'aqida. Wa saddaqa bil husna. Il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute, iyadun billah, il n'a pas de kufr, il n'a pas de ta'til. Il yu'min bil husna et il fait tout pour faire partie de ceux qui auront cette récompense. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ce genre de personnes qui font des efforts dans leur din et qui sont sincères et qui veulent haq, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Et tout ce qu'ils ont fait, qui est cité dans ce verset, min al-ata wa taqwa ila akhri, c'est bi qadrillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait avant d'avoir créé hadha al-insan. وَوَعْضِ النَّاسِ à cause de l'ignorance, عَيَّدًا بِاللَّهِ. Et كَذَلِكَ, on vit à une époque, et حَقِقَ هَذَا, c'est depuis longtemps, لَكِنْ à notre époque, أَكْثَر أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ, ils délaissent les textes, ils délaissent les choses claires. لِمَاذَا لِأَنَّ les textes, et le Coran ou le Sunna, et les choses claires, فَالْحَقِقَ, ça va impliquer de faire des efforts. C'est pour ça que dans les versets, les efforts ils sont cités. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. وَعَدَ النَّاسِ, ils ont délaissé هذا المنهج de faire des efforts et de se soumettre. Comme les sahaba radiyallahu anhum. On vit à une époque, nous, c'est le contraire. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Il reste bien sûr du khayr des gens qui font des efforts. لَكِنْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ, ils font plus d'efforts. Et فِي الْحَقِيقَ, ils ont l'habitude du qil wa qal. Ils ont l'habitude de ne jamais être d'accord. Et ils ont l'habitude de toujours essayer de trouver une faille. Ça, c'est min tarbiyat al-kafara. Al-kuffar, ils t'incitent et ils éduquent ceux qui, leurs enfants et ceux qui vivent chez eux avec hadal mabda'iyadam billah. Faut que tu sois jamais d'accord. Faut
Toujours tu réfléchisses, la réflexion, il a akhiré. Ça fait beaucoup de mal à notre deen. Bab al-Qadr, c'est exactement l'inverse. Mets ta réflexion de côté. C'est al-Iman ou al-Istislam. Et la haqiqa, c'est très très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, il a tout créé, il a tout décrété. Fais des efforts, si tu fais des efforts, tu auras du bien. C'est très très simple, la haqiqa. Lakin, celui qui pousse trop la réflexion, et iyadun billah, il n'est pas sincère. Et il veut trouver une faille. Ta'lamouna anna ba'd an-nas, ils essayent de trouver des failles dans les textes. Ha'oula, ils s'égarent. Alihada, le fruit de cette réflexion, iyadun billah, de trop réfléchir, de ne jamais être d'accord, le fruit de cette éducation, une bid'a qui est sortie fil umma, une mukhalafa qui fait beaucoup de mal à beaucoup de monde. Al-ihtijadu bil qadr ala al-ma'asi. Ou ala tark al-ta'at. Et délaisser le ta'at, c'est une ma'asi. Al-ihtijadu bil qadr. Ils font des péchés. Ou ils délaissent leur dîn complètement. La shahada, ou la salat, ou la shay. Et leur hujja, c'est quoi? Leur preuve, leur argument, leur délil, c'est tout est écrit. Si je ne fais pas, fait tout est écrit. Ce n'est pas de ma faute, iyadun billah. I'lamu anna hadha al-mabda, c'est madhhab al-mushrikin al-awwalin. C'est pour ça que je viens de citer que Al-Kufar, ils éduquent les gens à la hadaïf al-haqiqa. C'est pas que les kufars de notre époque. Hatta les mushrikins, les mushrikoun qui étaient à l'époque du prophète Aïssa al-Salam. Al-Hadha qala Azza wa Jal fi al-Qur'an al-Karim. Ay an hal ha'oula sayakoulu al-Ladhina ashraku law sha'allahu ma ashrakna. Al-Mushrikoun, qu'est-ce qu'il disait? Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset au prophète alayhi sallam. Sayakoulu al-Ladhina ashraku. Sayakoulu, et ils vont dire et ils diront. Et sahih, jusqu'à aujourd'hui, ils le disent. Sayakoulu al-Ladhina ashraku law sha'allah. Si Allah il aurait voulu, ma ashrakna, on n'aurait pas fait de shirk. C'est exactement ce que tu entends l'un de certaines personnes. Ma tarabbou. Ala kutub al-salaf wa inda ulama al-sunnah. Et ils côtoient pas les bonnes personnes. Fata'atharu bi al-kuffar et hada al-fikr. Pourquoi tu fais pas salat, ya foulain? C'est le qadr. Si je la fais pas, si c'est dans mon destin, je la ferai. Iyadun billah. Ça, c'est très très grave. Wa al-ulama, rahimahumullah, ils ont cité des réponses à cette choubha. Parmi ces réponses, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il les a résumées fi sharhihi ala al-usul al-thalatha. Et on l'avait étudié avec certains frères al-kitab et on l'avait détaillé. Et huna, on cite en résumé. Awwalan, qawlullah azza wa jal, parmi les réponses, qawlullah azza wa jal, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kadhalik fattaqullah mastata'atum. Ceux qui pensent que s'ils font des péchés ou s'ils délaissent les obligations, c'est qu'ils n'ont pas le choix pour eux. C'est pour ça qu'ils disent « je ne fais pas cela, c'est mon destin ». Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a imposé des choses. « Aqimu salat, maintenant faites la salat, accomplissez la salat ». Ça veut dire que c'est au-dessus de nos capacités. Si tu es forcé, c'est que tu n'as pas la capacité. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Qu'est-ce que tu retires de ce verset? Si Allah il nous a ordonné une chose ou interdit une chose, c'est que tu es capable. Tu ne serais pas capable, et ça arrive, بعض الناس, ils ne sont pas capables. Maintenant, بعض الناس, ils ne peuvent pas faire salat debout. Ils font salat assis. Il ne peut pas assis, il fait salat couché. Il ne peut pas coucher à la ayhan. Amma ha'oula, iyadun billah, leur madhhab fasid, il les a poussés à hada adhan as-sayyi, iyadun billah. Kadhalik, parmi les réponses que Cheikh Ibn Uthaymeen a citées, et c'est une réponse qawiyya, kayf ha'oula yahtadduna bishay fal haqiqa la ya'lamuna. Comment ils prétendent argumenter avec une chose, ils ignorent cette chose. Mathalan, si on prend l'exemple de toujours de salat, et on dit à wahed min al-nas, fais la salat, pourquoi tu ne veux pas la salat? À part de nas, qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est le qadr. C'est le qadr dans ce qui est passé.
On est sûr, c'est le qadar dans ce qui est passé. Maintenant, ça fait 2-3 ans, il ne fait pas la salat. Toute la salat qu'il a délaissée, l'échec, c'est fait le qadar. Mais nous, notre nasiha, c'est pourquoi? On lui dit de faire salat dans le passé. C'est pas possible. On lui dit de faire salat à partir de maintenant. Donc, notre nasiha, c'est pour le futur. Maintenant, alhamdulillah, on a fait salat l'asr, et bientôt, on fera salat le maghrib. Donc, nous, on va le conseiller à partir du maghrib. Ya voulam, tu dois faire salat. S'il nous dit, c'est le qadar. C'est une hujja, elle contredit le din, la religion, et que ça ne rentre pas dans la raison. Qui sait qui l'a informé à son destin, c'est de ne pas faire le salat. Mais il dit, Allahu alam, peut-être qu'il fera le salat. Le fait de prendre comme argument al-qadr pour délaisser une obligation offerte en ma'asiyah, c'est très très grave. Ça contredit les textes et la raison. Au lieu de dire Inch'Allah ta'ala, fais dua pour moi. Et lui aussi, il fait les efforts. Il fait ça là. Maintenant, la salat al-maghrib va arriver. Il l'a fait. Et, sahih, au début, ça demande Shaymin al-Ishtihad de faire des sacrifices. Quand il a fait salat, alhamdulillah, il dira c'est le qadar. Thumma, il fait salat al-Isha et c'est le qadar. Si il meurt ala hadha al-hal avec les efforts qu'il a fait, Inch'Allah, il fera partie de ceux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a dit فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ لِمَاذَا لِأَنَّهُ il a fait les efforts. هَذَا c'est un jawab qawi. Comment tu prétends que c'est le qadar alors que tu l'ignores? Là, fais les choses et Inch'Allah, si tu le fais, ça fait partie du qadar. Amma tu délaisses et tu dis c'est le qadar, فَنَعُوذُ بِاللَّهُ كَذَلِكَ شَيْبْنُ عُزَيْمِينَ il a cité un autre point, on finit بِهَذَا أَنَّ هَؤُلَا فِي أُمُور الدُّنْيَا il ne cite pas cette hujja. لِمَاذَا لأن تعلمون أن كثيرا من الناس sont attirés par الدنيا et كثيرا من الناس كذلك ils ont été habitués aux résultats rapides. Mais vous avez remarqué, on le vit tous les jours, Anna, tous les amal que tu fais, la récompense c'est يوم القيامة, malgré que ولله الحمد بعض المؤمنين sont récompensés في الدنيا. لكن l'énorme récompense le الجنة إلى آخره c'est يوم القيامة. Et on ne sait pas ça sera quand. Lakin, vu qu'on y croit, on fait des efforts. On a vu qu'ils ont un bois fi hada. Ou ba'dhum kal kuffar, ils n'ont pas ce iman. Enfin, pour eux, quand il y a un résultat, ils font les efforts. S'il n'y a pas le résultat directement, il n'y a pas d'effort. C'est ça, sir. Sirul mas'ala. Fali hada fi dunya, kama bayyana Cheikh Ibn Uthaymeen, si ha'oula, tu leur proposes matalan, tu lui dis, je te donne, matalan, 100 dirhams ou je te donne 100 000 dirhams. La chaque, il va vouloir les 100 000. Si tu lui dis, Allah, je te donne les 100 et c'est le qadr. Et ne cherche pas à comprendre, ne fais pas la cause. Il va dire là. Il va dire là. Dans ton tin, c'est la même chose. Kif, ya voulan, kif, tu délaisses al-ajr al-azim et tu prétends que ce mimbab al-qadr est fait donner à Obama quelque chose de futile. Tu fais les efforts. Est-ce que Haoula, si tu leur dis là, reste chez toi. Fais pas d'efforts, c'est le qadar. Si ton salaire doit venir, il viendra, reste chez toi. Il n'acceptera jamais. C'est pour ça que Haoula, bel min nasa'ihim, khasatan li talabat al-ilm, et ceux qui font des efforts dans leur vie, ils ont beaucoup cette nasi'a. Il faut faire les efforts. Ils visent que Tunia. Il faut faire des efforts. Quand tu attends, ça ne va pas venir tout seul. Quand c'est fi Umuruddin, qu'est-ce qu'ils disent? C'est le qadar. Allah ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala il est ghafur rahim kadalik fi dunya et kadalik fi dunya c'est le qadar. Ça nous montre qu'ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas justes et ça nous montre qu'ils ont un dhaf. Kadir min ha'oula fi sidq. Mais celui qui veut la vérité, il fait des causes fi dini et fi dunya. Kadalik shirna d'aymin, c'est un autre exemple dans matalan, quelque chose qui dérange l'insan. Wahad il vient, ou plutôt ha'oula qui prétend al qadar. Maintenant, ils font des ma'asya ou ils délaissent les obligations, ils disent c'est le destin. Si Wahid, il vient, il lui met un coup et il lui dit c'est le qadar, est-ce qu'il va accepter? Abadan. Ben, normalement, sa pensée, son raisonnement, normalement, il doit accepter. Comme il a délaissé la salat, il ne veut pas faire des efforts dans son dîn, il dit c'est le qadar. Enfin, s'il prend un coup, c'est le qadar. Et sahih, s'il prend le coup, c'est le destin. Lakin, est-ce que ça veut dire qu'il va se laisser faire prendre un autre coup ou il va accepter hada? Il va dire à cette personne, pourquoi tu me frappes? Si l'autre il lui dit c'est le qadar, il n'acceptera jamais cette hujja. Et sahih, kif, tu frappes les gens et après tu dis c'est le qadar. Enfin, si, akhil karim, tu n'acceptes pas hada sur un coup,
فماذا ستفعل يوم القيامة؟ Celui qui délaisse الدين, il applique pas son دين et son argument, c'est القدر. S'il meurt, عياذا بالله, il est في النار. لأن celui qui meurt على غير الإسلام, il est في النار. كيف؟ Avec un coup, بعض الناس ils acceptent pas, فكيف بالعذاب الأليم؟ شيخ ابن عثيمين, il a cité ces points et il est très très convaincant, رحمه الله, et on les a déjà expliqué كذلك في التقريب, تقريب التدمورية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله c'est من أحسن من بين هذه المسألة. Tu as deux choses, on répète, tu as le qadr, le destin, et tu as l'amr, ay ad-din, les ordres, les interdits. وبعض الناس كالمعتزلة ومن تأثر بهم من الجهال, ils ont du mal à lier les deux. فيقول si tout est écrit, pourquoi je fais, ils font pas, ils ont des choubah kadhira, عياذا بالله. Cheikh al-Islam, dans son livre At-Tadmouriya, la deuxième partie, c'est que sur cette mas'ala. Aïe, al-shara' et al-qadr. Al-amr ou al-qadr. Et Cheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a résumé cette mas'ala fi al-taqrib avec ce qu'on vient de résumer. Naam. Fa, inshallah, si on pourra plus tard lire Taqrib al-Tadmouriya, c'est un kitab nafis. La première partie sur al-sifat, c'est des règles dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première partie du livre. La deuxième partie, c'est sur le qadr et des réponses à Ahlul Bida'a. C'est pour ça que al-Tadmouriya, c'est min ahsan kutub al-rudud fil-aqida, c'est un rad fil-haqiqa. Il y a rad ala al-mu'attila, al-jahmiya et al-asha'ira et al-mu'tazila. Et la deuxième partie, il y a rad على الجبرية والقدرية. فلهذا tu as deux groupes, deux sectes qui se sont égarés في هذا الباب, في باب القدر. La première secte, c'est القدرية. Et on a expliqué que القدرية, il y a deux groupes. Les premiers قدرية, c'est des kuffars, ils ont rejeté l'ilm. Et les قدرية qui sont venus après, c'est des mu'tazila, ils se sont égarés. لماذا? Cheikh Ibn Uthaymeen, في شرح الأصول الثلاث, il a donné une définition de l'qadariya pour que tu comprennes leur égarement. قال هم الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس بمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. الْقَدَرِيَّةَ ماذا قالوا؟ Ils ont dit أن العبد l'être humain مستقل بعمله, أي les œuvres que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'irada, il n'a pas de qudra. Ayyadan billah. Et ça, c'est très très grave. Limada, ça veut dire que des choses, elles se passent, mais mulkillahi azza wa jal, et Allah, il n'a pas de volonté. Azza wa jal. Qala, wa laysa bi mashiyatillahi ta'ala wa qudratihi fihi athar. Alors que c'est grave, alors que Allah azza wa jal, il dit, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Le verset, il est wadih, kashams. لكن عياذا بالله الانحراف. Donc القدرية pour eux, الانسان il fait ses œuvres بإرادته هو, et Allah subhanahu wa ta'ala il a aucun athar. Et ça veut dire que même si Allah il veut pas, l'abd il veut, fait cette chose, il peut la faire, عياذا بالله. C'est grave. Et كذلك ils se sont égarés, يقولون أن الانسان il crée ses œuvres. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui crée les œuvres, là c'est l'insan, chacun il crée ses œuvres, et ça c'est de l'égarement واضح. La deuxième secte, الجبرية, حقيقة, c'est l'opposé de هؤلاء, c'est un autre extrême. ماذا قالوا؟ قالوا العبد مجبر على عمله. Aye, pour eux, c'est exactement l'opposé. Les autres, ils ont dit, l'insan, c'est sa volonté qui passe avant la volonté d'Allah عز وجل إلى آخره, عياذا بالله. هؤلاء قالوا أن الإنسان il n'a pas de volonté du tout. العلماء يقولون c'est comme une ورقة, c'est comme une feuille qui est basculée par le vent. Un coup à droite, un coup à gauche. Il n'a aucune volonté, l'insan. هؤلاء, ils se sont égarés. هؤلاء, في الحقيقة, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, l'insan, il n'a pas d'irada, il n'a pas de volonté. Et les autres, ils ont dit, l'insan a une volonté, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas la changer, عياذا بالله. أهل السنة, أهل الحق, c'est le wasat. On a une volonté. Si tu veux faire du bien, tu le fais. Si tu veux faire du mal, عياذا بالله, tu vas le faire. Et ce que tu vas faire, c'est sous la volonté d'Allah عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Et tathkurun, ce groupe, ou ces deux groupes, on les avait expliqués ensemble dans notre série sur les sectes, Al-Qadariya ou Al-Jabriya, et on avait détaillé, walillahi alhamd, hada, ensemble. Nakmil al-matn. Qala,
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما نفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات. هذا الحديث تقدم معنا في شرح 40 إلى معلوم عند كثير من الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم il a informé sur les étapes de la création de l'être humain. Et dans le ventre de sa mère. Quand c'est un embryon, un morceau de chair, il a créé un caillot de sang. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي après cette durée, 4 mois, ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات. Allah سبحانه وتعالى il envoie un ange avec 4 paroles, pour dire 4 paroles. يكتب أي هذا الملك رزقه وأجله وعمله أو كان يكتب برزقه نعم وشقيا أو شقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. دونك هذا الملك يكتب بإذن الله عز وجل لرزق أي هذا الإنسان son risque qu'il va avoir, est-ce qu'il va avoir tant d'argent, est-ce qu'il va manger telle chose, tout son risque il est écrit. قال وأجله الأجل c'est la durée de vie, combien de temps il va vivre. وعمله ses œuvres. قال وشقي أو سعيد est-ce qu'il va être heureux ou malheureux, et est-ce qu'il va mourir مؤمنا أو كافرا, est-ce qu'il rentrera في الجنة أو في النار. Tout ça c'est écrit والإنسان il est في بطن أمه, il est pas encore né. قوله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أو قبل ذلك إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره. أما la deuxième partie فواضحة أن بعض الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل بعمل أهل النار. بعض الناس صحيح يفعلون أعمال pendant longue période de leur vie عمل أهل النار من كفر وفسوق وفجور إلى آخره. ثم avant de mourir Allah subhanahu wa ta'ala il facilite à cette personne عمل من أهل الجنة مثلا il se convertit à l'islam, il fait salat il a akhir ثم il meurt et il rentre في الجنة. Ça nous montre, c'est un dalil أن العبرة بالخواتيم, l'important c'est ce sur quoi tu vas mourir. Vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, أخي الكريم efforce-toi à faire du khayr, حتى si malak le mot il vient pour reprendre ton âme tu es à la khayr. فهذا الإنسان pendant une longue période du shor ثم avant de mourir, il fait des a'mal hasana et il meurt à la khayr. Et on a un exemple sur le hadith, l'homme qui a tué 100 personnes. Il a fait beaucoup de shur, thumma, il a voulu faire tawbah, il était sincère, thumma, il a fait tawbah, il s'est déplacé, il est mort à la khayr. Hada c'est wadih. Amma la première partie va tushkil ala ba'd an-nas, ay anna on répète le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع. Mais بعض الناس عيادا بالله ils vont faire des أعمال من أعمال أهل الجنة pendant une longue partie de leur vie ثم فيسبق عليه الكتاب أي القدر قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان avant de mourir il fait عمل أهل النار إما كفر أو إلحاد عيادا بالله فإي rentre في النار, il meurt على الكفر. الإشكال أن البعض peuvent se dire أو نعم ça peut poser problème à certains, لكن الحقيقة هذا الحديث il est expliqué par un autre hadith. الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم vu que ce hadith il est في الأربعين النووية والحافظ ابن حجر il a expliqué les 40 نووية, il a rajouté des hadith, ça fait 50 hadith, il a expliqué هذا avec une autre رواية et ça va vous éclaircir. L'autre riwaya, l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fihi un ajout. Fannabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, qala, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lil-nas.
Ça, c'est important. Cet ajout, il te permet de comprendre le hadith. Ça nous montre l'importance d'étudier l'ilm. Ça nous montre l'importance, si tu veux comprendre une mas'ala, rassembler les hadiths. Il n'y en a qu'avec ce hadith, ils ont eu du mal à comprendre. Il a fait tous ses amal et à la fin de sa vie, il fait cette chose et il rentre vers le nord. Awwalan, si on a une bonne aqida, husnudan billah, an Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Thaniyan, tu as un hadith qui montre pourquoi hada, il rentrera fin nar, cette personne. Les anna hada l'amal, ses œuvres, ses bonnes œuvres qu'il faisait, c'était pour les autres. C'était pas l'illah. Avant de mourir, yubdala iyadan billah, annahu, il fait une œuvre mauvaise en apparence, et iyadan billah dans son cœur, il rentre fin nar. Amma, celui qui fait des amal, amalu ahli al-jannah, et il est sincère, il est sadiq, Allah subhanahu wa ta'ala il est karim. Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Même s'il a des faiblesses, même s'il fait des péchés, même si il a des faiblesses comme on a dit, ça reste un mu'min et il mourra à la khayr. Ça nous montre la gravité de l'ostentation, de vouloir se montrer, la gravité de ne pas être sincère. Cette catégorie de personnes, ils ont un problème dans la sincérité et ils faisaient des bonnes œuvres pour les autres. Ça nous montre l'importance de la sincérité. Fais-le. Qu'est-ce qui va te donner ce bachar? Il ne va rien te donner. Ben, ça peut être une cause, iyadun billah, de la perte de l'insan. Qala wa fi hadith Umar. Al-hadith, na'am, qala fi al-hashira wa al-bukhari wa muslim. Wa fi hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alladhi rawah muslim fi al-sahih, wa abu daoud fi al-sunan, wa ghayrihima min al-a'imma, anna Jibrila alayhi s-salam, qala li-nabi sallallahu alayhi wa sallam, mal iman? قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال نعم وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال صحيح بوكد أدلة في هذا الباب أما هذا الحديث فالحمد لله on l'a expliqué plusieurs fois et الشاهد هنا الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره الشاهد والقدر خيره وشره إيه أنا أكسبك هذا ولله الحمد قوله وفيه من الأدلة إلى آخره الشيخ مقبل رحمه الله il a rassemblé beaucoup de ses preuves في كتابه النافع الجامع الصحيح في القدر il a rapporté 600 حديث à peu près et كذلك il a cité المقدمة نافعة et des مسائل مفيدة Et il a cité des hadiths min al-Qur'an et beaucoup de hadiths, à peu près 600 hadiths, un peu plus ou un peu moins. Alayhi rahmatullah, et c'est une référence fil bab. Enfin, celui qui veut des preuves fi hada, il revient au livre de Cheikh Mouqbil. Et l'imam al-Qayyim rahimahullah, il a traité le sujet, et c'est min anfa' al-kutub fi hada al-bab. Fi shifa' al-alil, c'est une référence. Ils l'ont imprimé en 4 volumes, et kadhalik, il y a une tab'a jamila qui va sortir l'an, inshallah, en 2 volumes. Dar al-Fawaid. À la kulli hal, c'est une référence Shifa ou al-Alil de l'imam al-Qayyim rahimahullah. Il explique tout ce qu'on vient de citer, les 4 degrés, les choubahs que certains ils ont sur les péchés, ils font des péchés, ils disent que c'est le qadar. Il a répondu, il a répliqué contre les sectes. Rahimahullah. Pour finir, on cite al-Thamarat. Thamarat al-Iman bil-Qadar, Cheikh Mukbir rahimahullah, dans son livre qu'on a cité précédemment. Au début du livre, après le Muqaddimah, il a cité هذه الثمرات. Et avant de traiter le sujet, de rapporter les hadiths de Al-Bab, il a cité الثمرات. Et on répète, c'est ça le but de هذه الدراسة. Étudier l'aqida, c'est ça le but. C'est pas de la culture, c'est pas de l'apprentissage par cœur, فقط لا. Aqida, c'est dans le cœur, et vu que le cœur, si ولله الحمد, comprend cette aqida, ça va jouer sur ça va avoir un rôle plutôt sur tout le corps. Inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasad kullu. C'est pour ça que celui qui a hadha al iman bil qadar et il revient à aqidat ahl sunna, la croyance des gens de la sunna, il apprend c'est quoi al qadar inda ahl sunna et il met en pratique bi idnillah azza wa jalla, ça va changer sa vie. Cheikh Mukbir rahimahullah, on a déjà lu هذا الكلام dans certains dourous مع بعض الإخوان لكن نختصر هنا ذهب الوقت. Cheikh Mukbil il a cité plusieurs thamarat. Al thamarat c'est les fruits de ce iman au destin.
Parmi les tamarat que Cheikh Mokbil l'a cité, Quwatul Iman. قال فالذي يؤمن بالقدر لا يتزعزع ولا يبالي بما ناله في سبيل الحق. لماذا؟ لأن هذا المؤمن بالقدر il sait que tout est écrit. Il sait que personne ne peut lui faire du mal إلا أن يشاء الله. Il sait que le bien est bien de Allah. Il sait que il mourra quand Allah y décidera. Et tout est écrit. فلهذا il ne se pose plus les questions que بعض الضعفاء ضعفاء الإيمان il se pose. C'est pour ça que tu trouves celui qui a cette aqidah fil qadr, son iman il sera qawi. Fa kama qala Cheikh Mokbil, la yatazaza. C'est pas une petite chose, khalas, il change de position. Et il fait marche arrière, iyadam billah. Kadhalik la yubali. Fulan il est critique d'innovateur, fulan il dit que c'est un. Il exagère, fulan il dit, la yubali. Il sait que l'umur c'est biyadillah. L'essentiel, fais des efforts, fais l'ilm ou l'amal, et tu seras à la khair. Deuxième. نختصر هو إن لاسيتي بوكو لكن نحن نلاسيتي كسيس اون سيت لي سيس لا دوزيام الشجاعة والثبات tu trouves ان المؤمن كي ا ايمان قوي في هذا الباب il aura de la شجاعة والثبات الشجاعة c'est le courage لماذا لانه il sait que tout est écrit قال الشيخ مقبل رحمه الله فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لا يموت إلا إذا جاء أجله ولا يناله من البلاء إلا ما كتب له. C'est pour ça que الصحابة رضي الله عنهم vu qu'ils ont été éduqués عند النبي صلى الله عليه وسلم et il leur a montré, leur a appris les disciples de la foi, le qadr, كذلك des versets du Coran qui ont été révélés et combien de hadiths que الشيخ مقبل l'a rassemblé. C'est pour ça que tu trouves هذا الجيل cette génération ils avaient peur que d'Allah, pas comme à notre époque le Ba'di disait j'ai peur que d'Allah, une petite épreuve tu le trouves يتزعزع, comme si c'était un petit enfant. Là هؤلاء ils parlaient pas beaucoup لكن leur أعمال leurs œuvres elles démontraient qu'ils avaient peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال يعلم أنه لا يموت إلا إذا جاء أجله. فلهذا si tu prends العبادة العظيمة الجهاد في سبيل الله, ça demande des sacrifices et ربما الإنسان se fait tuer, se fait blesser, tu trouves أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ils ne faisaient pas marche arrière. لماذا؟ لأنهم ils savaient que si Allah il a décidé qu'ils mourront, ils mourront. Si Allah il a décrété qu'ils mourront pas dans cette bataille, ils mourront pas. فلهذا tu trouves بعض الصحابة رضي الله عنهم ils ont fait leur première bataille, ils sont morts ربما dans les premiers instants. Et ils sont morts. Qatar Allah subhanahu wa ta'ala, et alhamdulillah, ils ont les hauts rangs fil jannah. Al-shahada wa suhba ila akhir. Tu trouves بعض الصحابة مثل Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Al-shuja' al-batal, qui a fait beaucoup de batailles. Et il était connu bi quwwatihi wa shaja'ati par son courage et son expérience fi hadha al-bab, et dans le combat. Et il n'est pas mort fil jihad. Il est mort fi firashi. Pourtant, il a fait beaucoup de batailles et il était d'aïman devant, il a agré. Allah subhanahu wa ta'ala, elle a décrété qu'il ne mourra pas. Hakada, comme minannas, à notre époque, ils meurent et ils sont dans leur lit. Ils meurent, hakada, ils n'avaient ni maladie ni rien. Allah, il a décidé qu'il mourrait. Hada l'iman, ça nous pousse à shaja'a, au courage. Kadhalika tuma'nina, il a cité, wa takhfif al-humum wa al-ahzan. S'il nous arrive quelque chose, on a perdu un bien, on a subi une injustice. هذا الإيمان ça va nous permettre de nous reposer. لماذا لأن cette injustice ou cette épreuve que tu as subi c'est bi qadar Allah. Ne te pose pas trop de questions. Si j'avais fait il a akhri, tout ça c'est min ash-shaytan. Là, tire des leçons de cette épreuve pour le futur. Naam. Si tu as fait des erreurs, tire des leçons. Amma t'accablé sur ton sort il a akhri, c'est que min ash-shaytan. Si tu as fait une erreur, tub ila Allah. Amma al-ba'd, ils sont éprouvés par une chose, par la perte d'un proche, par une maladie, par la perte de bien. Iyadan billah, vu qu'ils ont de la faiblesse vis hadha al-bab, ou le kuffar, ils n'ont pas hadha al-asl al-azim du tout, tu les trouves, c'est min adhaf khalqillah. Min adhaf khalqillah, quand ils sont touchés par les épreuves. Amma al-mu'min, il est qawi. Fi s-sarra wa fi s-darra. Bi-idhnillah azza wa jal. Kadhalik, al-ikhlas. Parmi les fruits de al-qadr, al-ikhlas, la sincérité. قال الشيخ مقبل فالذي يؤمن بالقدر لا يعمل من أجل الناس لأنه يعلم أنهم لا يستطيعون أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله عز وجل ولم يستطيعوا أن يضروه بشيء لم يقدره الله عز وجل. Celui qui a ce iman bil qadr, لماذا œuvrer pour les gens?
qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Bal taqaddam ma'ana fil hadith anna al-ba'd yafun pour les gens et ils sont éprouvés à la fin de leur vie, ils s'égarent, yadam billah. Limadha li'anna Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. Et celui qui veut tricher avec Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait que du mal. Al-iman bil qadar, ça te pousse à la sincérité. Kadhalika al-'abd aujourd'hui, comme on répète souvent aujourd'hui, yutni 'alayk, te complimente, demain yat'an fik. Il y en a beaucoup de gens, ils sont injustes. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Karim. Et on cite comme dernier fruit al-qana'a wa at-tawadhu'. Ça c'est très très important. Al-qana'a, c'est que tu te suffis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné. لماذا لانك تؤمن بالقدر بعض الناس يزن et دائما ils se plaignent alors que في الحقيقه leur plainte انهم ils sont pas d'accord انهم ils font certaines choses ça changera rien au risque qu'ils ont Allah il a décrété qu'ils auront telle chose فالمؤمن vu qu'il sait que tout ça c'est bi qadar illah فمن s'il a peu alhamdulillah et il espère le jannah où il aura ce qu'il veut التواضع كذلك c'est مهم que ça soit كما قال الشيخ مقبل هنا إذا رفعه الله سبحانه وتعالى بمال أو جاه أو علم مثلا si Allah سبحانه وتعالى t'a donné de l'argent التواضع أما العجب أو الإعجاب بالنفس عيادا بالله et الكبر c'est très très grave et في الحقيقة celui qui a de l'orgueil il a un problème في القدر لماذا لأن cet argent que tu as في الحقيقة c'est بقدر الله c'est Allah qui a voulu te le donner même si tu as fait des efforts ils sont minimes par rapport à فضل الله سبحانه وتعالى عليه كذلك العلم celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il a donné une facilité dans la compréhension, une facilité dans la mémorisation, une facilité dans l'apprentissage, il a arrêté. Et Robama, un autre de ses frères, il a beaucoup plus de mal que lui. Fala yajouz. Al-i'jab bin nafs, c'est se vanter, vouloir se montrer et rabaisser son frère. L'ilm que tu as suivi, qadar Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a élevé. Normalement, si tu as l'iman bil qadar, ça te permet de te rabaisser l'illah et la modestie. لله عز وجل c'est un bab مهم جدا et العلماء il le cite في كتب الاعتقاد لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a cité arcan l'iman il a cité le qadar et Allah سبحانه وتعالى il a cité هذا الباب العظيم dans beaucoup de versets فنسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا نكتفي بهذا et le prochain درس inshallah on continue on a fini une bonne partie du la plus grosse partie du livre ma yata'allaq bi as-sifat lillah 'azza wa jalla wa ma yata'allaq biha et à partir des prochains durus ça sera les derniers cours sur ma yata'allaq bil yawm al-akhir al-isra wa al-mi'raj awwalan thumma tout ce qui est lié au jour dernier kash-shafa'a wa al-hawd wa al-janna wa an-nar ila akhiri fa alhamdulillah بقي قليل نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك